Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vicky, et on se retrouve aujourd'hui pour Blox Fruit. Épisode du film combien, la suite des aventures, les pour avoir V2 char, pour avoir fait plein de choses et tenter. Je sais pas si j'ai XP, je crois pas V2 Bouddha. Non, j'ai pas XP, et là vous allez dire, mais pourquoi t'es pas monté de niveau, Guillaume? Eh ben oui, parce qu'il te manque 50 niveaux pour le V2 Bouddha. Parce que j'ai fait un truc. J'ai fait THE truc. Faut faire plaisir par deux pouces, faut s'abonner à la chaîne, faut nous dire si on ça va aller voir un abonné. Kim et Sideux. Wouhou, je suis 704, donc grâce à Guigui. En fait, Kim s'est fait un gigaskin, et en fait, ouais. On a appris que sur Blox Free... T'avais pas le droit de mettre des vêtements 3D. Les vêtements 3D, les vêtements 3D étaient pas... Les seules choses qui marchent, c'est les modèles et les textures. Mais sinon, ça du marche coup, pas. Du coup, j'ai pris un nounours. Du coup, Kim, c'est un nounours, tu peux te dire. Voilà. Ouais, donc, si vous voyez un nounours trop moche, c'est Kim. C'est moi, ouais. D'ailleurs, je remercie énormément. Ouais, c'est Johnny le poids. Qui nous a grave aidé pour avoir le niveau 700. Ouais, je pense que c'est un abo. Je sais pas du tout. Je sais pas comment il a fait pour tomber sur notre game. Ouais. Il était Shark V4, il avait toutes les armes. Le léopard. Oui, le léopard. Oh, c'est trop bien son chapeau. Ah, bah, c'est le chapeau de Luffy. Mais non, mais il a un fantôme de... Ah oui, d'ailleurs, du coup, on s'est renseigné. Il y a le fruit du kitsune qui arrive. Ouais. Et il y a le fruit du dragon qui va être remodelé. Donc, on nous a dit de trade le dragon. Voilà, il y en a qui disent que le kitsune, ça pourrait être le rumble qui se transforme. Mais je sais pas trop, j'ai l'impression que ça va être un nouveau fruit. Du coup, j'ai suivi Rip. Comment s'appelle? Oui, le créateur du Blox. Le créateur qui a un million de followers. C'est pour ça que Et maintenant, voilà, on est au taquet sur les nouveautés sur le jeu. On va tenter, hein. J'en ai pas fait hors vidéo parce que je me suis dit... Mais t'as plus de sous. Oh, pas mal! Ah oui, c'est pas mal, ouais. Bah, c'est comme le light, c'est pareil. Et du coup, tu l'as, en plus, tu l'as pas? Énorme, bah non, bah, il est cool. Rare. Il est rare de ouf. Non, mais j'ai trop de chance, attends, moi. Non, mais j'ai trop de chance, non, mais c'est Guillaume, pas possible. Il y a trop de chance en seconde. Les gens, ça n'arrête pas. Ah ouais, d'ailleurs, vous étiez tous ouf. Parce qu'on aurait pu devenir une goule. Après, on n'avait pas, on n'avait pas assez d'ectoplasme, ouais. Je sais pas. Donc, Kim va rester là pour l'instant. Après, à ce moment-là, si t'as un fruit stylé, je te l'échange et je te donne le Bouddha pour que tu l'aies. Le falcon fruit? Oh, le fruit du faucon, c'est nul. Mais ouais, mais tu l'as peut-être regardé, il bouge. Ah ouais, oh, c'est trop chou. Ouais. Bah, je vais pas le manger, je vais le. Ah, attends, mais le magma, c'est vachement bien. Bah ouais, c'est bien, hein. Bah, les gens, il y a les créateurs qui ont vu mon compte, c'est possible. Il y a un problème, les gens. On est d'accord qu'il y a un problème. Je viens de faire mammouth, bouddha, magma. En 3 tirages. Je vous jure que je n'ai pas dépensé un rond dans les tirages. Et d'un coup, après avoir acheté l'autre, bah, j'ai le fruit du magma. Regarde, c'est celui-là. Il est aussi bien que le light, en fait, c'est un, oui, c'est un élémentaire, de départ, et en fait, il est, ouais, c'est un fruit qui est vraiment pas mal. Alors, peut-être moi en 6, 2, 6, 3, mais très bien. Il y en a un qui veut trade. Qui m'a fait des trades? Attends, parce que j'ai jamais fait moi encore. Il faut cliquer, en gros, tu cliques sur ceux qui l'a pas. Bah, mais le problème, c'est que il a foudre, mais moi, j'ai rien. Ah non, toi, t'as rien. Mon meilleur fruit, c'est ghost. Non, mais Kim, elle est trop nulle, hein. Mais c'est très fort, hein. Ah bah tiens, comment il se TP? Il s'est TP, il est en face de toi, Spirit. Il s'est TP. Il veut le mammouth, je pense. Mais il va accepter. Ah, il accepte. Je sais pas si le mammouth, ça vaut. Le Pirate, on en a pas beaucoup parlé. Non, on nous a dit dragon. Donc on va essayer d'avoir dragon contre mammouth. Le meilleur, c'est dragon. Il y a eu 40 réponses. Mammouth et Kitsune, léopard. Ah ouais, d'accord. Donc Kitsune n'existe pas encore. Voilà, il m'avait changé ça. Si, d'autres V2. Oh, 5 millions. Le léopard, c'est 5 millions. Tu m'étonnes qu'il est impossible. C'est pour ça qu'il est hors de prix. Mais du coup, le Kitsune disait que ça devrait devenir le fruit le plus riche, le plus cher. Donc, c'est-à-dire que ce fruit était 6 millions. Du coup, il faudra échanger contre plein de fruits. Ah ouais. Oh, mais le léopard, il coûte trop cher. Ah, yes. Ah ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais vous avez le level pour faire la V3 de Shark. Ah ouais. Il vous faut un fruit qui vaut... Ah oui, c'est ce que j'ai vu. Il faut un fruit qui faut 1 million. Le meilleur serait le fruit du séisme. Ensuite, rendez-vous au château qui se trouve au-dessus de la cafétéria. Le fruit du séisme? Ouais. Je l'ai, hein. Tu veux que j'aille essayer de monter quelques niveaux à ce moment-là? Ouais, va monter quelques niveaux, puis comme on va, ça. On va juste voir Bouddha où c'est, comme ça on saura où c'est. Ouais, voilà, exactement. Oh là là, il y a un long commentaire. Wouh! Est-ce que tu veux que je te pour acheter... V3. En fait, c'est. Ah ouais, mais il faut 3 millions de dollars. Ah bah c'est mort. Ah donc c'est mort. Ouais, il faut vraiment. Je suis giga pauvre, hein. j'ai plus une thune. J'ai eu un on nous explique le raid. Ah, ok. Donc le raid Bouddha. C'est le raid le plus dur du jeu. Vous devez être accompagné de gens extrêmement forts. Et si Guillaume, tu donnes Bouddha à Kim avant le V2, vous pourrez faire le raid à deux pour l'éveiller et vous aurez la place pour intégrer 2 pros dans le raid. Ah oui, en gros. Ah, surtout ne tentez rien de fou car si vous mourrez, vous êtes expulsé du raid. Il faut savoir qu'il y a 5 îles dans les raids où il y a des mobs à tuer pour avancer sur les îles. Le 5e île fait spawn le boss du raid. C'est lui qui donne la réputation de raid le plus dur du jeu. Oh
Ok. Donc, faites très attention, il faut arriver au boss. Sinon, pour pouvoir faire un raid, il faut aller sur l'île Chaud-Froid. Au laboratoire. Ouais, mais attends. Tu vois où c'est l'île Chaud-Froid ou pas? Je sais pas où c'est et je pense que c'est mort. je pense qu'on va peut-être pas tenter. On va farmer un peu, on va vous montrer parce que du coup, il y en a pas mal qui disent ouais, mais pourquoi vous farmez pas en vidéo? Bah, parce que déjà, c'était un peu long, mais. Ouais. Mais c'est vrai que. Mais là, oui, c'est vrai que tu pourrais aller faire le boss parce que. On peut aller peut-être. Alors, il faudrait qu'on aille chercher en 6-1. Un style de combat qui me manque parce qu'il faut que je demande tous les styles de combat. Pour 300. Avoir les styles de combat. Là, ultra, j'ai 276. Ultra rares. Bon, ok, merci pour le. Ok, il faut aller sur l'île Chaud-Froid. À ce moment-là, on pourrait juste voir l'île Chaud-Froid, ouais. Le laboratoire et c'est. Bah, je monte quand même 1100 parce qu'il faut être 1100 oui, pour les raids, ouais. C'est ça. Hein. Guillaume, pour avoir le meilleur style de combat, tu dois avoir tous les styles de combat niveau 300. Voilà. Pour ne pas avoir à t'en soucier, tu peux aller sur l'île Feu-Froid. Pour ne pas avoir à t'en soucier. Ah, parce que tu veux apprendre tous les styles là-bas, ça se trouve. Ah. Ah bah on va aller, vas-y, monte 1100, fais les boss qu'on n'a pas vu encore là, et on va aller voir l'île Chaud-Froid. Parce que vous allez voir en fait, ma stat elle est pas ouf, hein, c'est pas la meilleure stat, mais de toute façon c'est le principe du Bouddha. Oui. C'est qu'en gros, tu lances un combat ici, donc je vais prendre de l'XP d'ailleurs. Tu lances un combat ici, moi c'est mon là, quest c'est, là, c'est ça. Ouais. Alors je crois que c'est le deuxième, et je fais celui-là, il est plus facile. 1000. Faut être 1000, voilà. Et en gros, tu fais ça. En boutique, on va acheter juste. Alors, on nous a dit, ce qui est bien en boutique, c'est le deux fois plus d'argent. Parce que du coup, tu gagnes toujours deux fois plus d'argent. Mais à toi, il va falloir vraiment que tu économises. Hein. Ouais, mais du coup, sinon, j'achète ça. Ça coûte 4 balles. En gros, ça me permet. Bah de... non, t'as juste à faire en boucle des trucs qui. Ah non, mais en permanent. Dans tout le temps, après, j'y aurai toujours deux fois plus d'argent. Ah ouais! Ça, c'est des permanents. Mais attends, dépense pas tes sous. Fais ton truc là. On nous a dit mastery. Et on nous a dit. Oui, mastery, non, mais on nous a dit la mythique, c'est pas fou. Oui, il y a mieux gratuit. Ouais. La torche que vous avez eue en battant The Course Capitaine c'est ultra est utilisée pour obtenir la ghoul race. Et la race ghoul, elle est incroyable. Ouais. On a vu, il y a des petites ailes noires partout derrière, c'est énorme ici. Ah, par contre, je pense que ça vous intéresse pas plus que ça, car vous avez déjà la Shark Race, mais ghoul est très fort pour farm quand Shark est juste un gigatank. J'ai l'impression que Shark Race, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, j'ai de la chance. Oui, hein. Je pense que t'as de la chance. Par contre, on nous a dit, ah oui, tu peux reroll ta race, toi. Oui. Ah, je peux le faire? Ben en fait, il faut. J'ai assez d'os? Ah, il faut des os. Ouais. Enfin, si vous voulez commencer à progresser sur les fighting styles, le plus fort, je vous conseille de mettre tous vos fighting styles actuellement disponibles à Mastery 300+. Ce qui inclut Dark Step, Electric, Water Kung Fu et Dragon Breath. Donné par un PNJ situé dans le pont à gauche du café quand vous regardez dans la même direction que le bloc Fruit Gacha. Quoi? Ah ouais, c'est juste là? Et une fois fait, vous avez accès au style Superhuman. Attends, il faut faire le Dragon Breath alors là? Ouais. Et là, du coup, voilà. En gros, c'est ça. Je tape de loin. Ouais. C'est super facile. Juste à dash. Oui. C'est juste, est-ce que Kim, elle doit se mettre en tout de suite? Je pense pas. Je pense que Kim, faut qu'elle monte encore un peu de niveau avant de se mettre Bouddha. Ah oui. Je vais lui changer. Hein. Maintenant, tu peux faire la V3. Regarde comment faire, mais ça coûte 2 millions de belly. Ah, c'est mort. C'est archi mort. Ouais. C'est giga mort. J'ai pas de tout. Ouais, oui. Déjà, j'ai fait un tirage pour le magma. J'ai eu de la chance. Ah, mais... d'ailleurs, la quête est de tuer un 6-bis. Ah ouais? Ouais, c'est les bêtes qui spawnent. Ah oui, le 6-beast. Ouais. Ah oui, on nous a dit, c'est si on en a trouvé de ça, ça donne quoi? Ça loot un truc. Je crois que c'est. T'as une chance d'avoir barbe noire, c'est pas un truc comme ça? Il y a un truc comme ça, ouais. Je crois que j'ai gagné ce truc. Ouais. Alors. Voilà. Bah, j'ai gagné une nouvelle quête. Ah bah attends, j'ai gagné une nouvelle quête de quoi? Ah, en plus de faire ta quête de V3, tu peux les faire. Ah oui, les bêtes, parce qu'elles te donneront toutes 200 000 belly. Ou 400 000 avec le 2 fois argent. Ah, bah, en fait, je pense que les gens, prochaine vidéo, je pense qu'on va acheter tout ce qu'il faut. Donc, en Robux, on va acheter. Bah, après, on peut acheter là. Hein. Sinon, on achète là. On va acheter. Je pense qu'on va acheter le 2 fois thune et tout. Et comme ça, au moins, on est bien. Mais non, mais attends. ça coûte. Ouais, je sais pas si on fera un let's play sur Blocksfruit. Parce que c'est bien fait. 10 jours après. Niveau 1000. Parce que c'est bien fait. Parce que c'est bien fait. Parce que c'est bien fait, le farm est cool, et en plus de ça, il va y avoir bientôt le kitsune, et il va y avoir bientôt des refontes de fruits. Donc en fait, on sait que le jeu est aussi maintenu, c'est toujours intéressant quand il y a des grosses mises à jour intéressantes. Ah oui, parce que là, du coup, t'es maîtrise 279 électriques. Voilà, faut que je sois 300 donc électriques. Donc là, t'es 300, il faut que tu sois 300 avec la jambe 210, là. Ouais. Il faut que tu sois 300 Water Kung Fu et Dragon Breath. Bon, on va aller chercher tout ça. Bon, on va chercher Water Kung Fu, ça, on peut le faire, Water Kung Fu. Tu as eu beaucoup de chance d'avoir la torche du premier coup, elle te permet de débloquer Ghoul. Ah, mais du coup, c'est mort. Ouais. Tout le monde nous a expliqué comment faire le Red Bouddha, le Red Bouddha, donc ouais, ça fait peur, hein. Moi ça me fait peur. Hein. Bah après c'est normal, le jeu, le truc est énorme. En fait, le Bouddha c'est vraiment pour farm. Ouais, mais du coup on va aller chercher les deux styles, comme ça, ouais exactement. Bah sur là, il faudra que j'achète le fois de masterise et le fois de thune, et comme ça en fait ça nous empêchera de... Tu vois, si vous mettez les stats en soir, n'achetez surtout pas la Dark Blade.
Le Rengoku est plus facile à voir et vous ne gâcherez pas des Robux pour rien. De toute façon, en gros... C'est quoi la Rengoku? C'est une lame. Comment on l'a? De toute façon, si j'achète en Robux, c'est permanent en gros le x2. Hein. C'est ça, oui, c'est... je me trompe pas. Blox Free. Ouais, parce que toi, la thune, tu dépenses tout. Hein. Dixit Kim qui a fait tout un skin de malade. Tu m'as fait un skin de malade. Kim, elle a un skin de... Il est trop beau. Et un skin trop bien. Je peux l'utiliser dans tous les... On a satané, sur, mode de jeu de Roblox. Adopt Me, différents oui. trucs. On fait, mais attends, mais pourquoi et il marche pas? Il est magnifique, mon truc. J'ai mis une heure à le faire. Ouais, pour il est trop au fou. Final... Bah, que je suis toute nue quand j'arrive sur Blockfree parce que les vêtements sont pas pris en compte. Voilà. C'était un peu le truc, elle a fait j'étais quoi? J'étais dégoûtée, mon perso il était en sous-vêtements, j'ai fait c'est quoi ce bazar? Et du coup on a fait, mais c'est pas possible, il y a un problème. Et du coup on a réessayé, changer des trucs. Elle a fait non mais il y a un problème. Et du coup j'ai cherché sur un forum, et depuis le début en fait on peut pas mettre. Du coup j'ai acheté un nouveau. Et les gens disaient, les anglais disaient ouais c'est frustrant. Bah, parce bah que... oui, parce que là moi j'ai acheté un giga skin de ouf, mais de ouf, il est trop beau. Je voulais avoir autant. Ouais. Bah t'as, on, si jamais on fait un autre mode de Roblox, on verra. Oui, ouais. Il y a d'autres modes, c'est le Pet 99, qui est pas mal joué en ce moment. Bon les gens, résultat des cours, j'ai quand même gagné 50... 40 niveaux, je crois. Ouais, c'est pas trop mal. Donc c'est pas mal. Ouais. Moi, je mets full... Bon, je vais mettre du défense un petit peu. C'est vrai que j'ai tendance à tout mettre en mêlée, mais après... Vas-y. Ouais, si je vais mettre en mêlée. Moi, je suis un bourrin. Et du coup, moi, je suis monté un petit peu, je suis 707. Voilà, donc on va rejoindre Kim. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir... Bah non, faut que t'ailles sur l'île Chaud-Froid. Ah oui, sur l'île Chaud-Froid, déjà. On va sur l'île Chaud-Froid, sachant que... Tu sais où c'est? Non, je connais pas la carte. On va regarder. Île Chaud-Froid. Si, c'est... je pense que c'est là-bas, là. Oui, c'est ça, c'est en face. Du coup, l'usine, je pense qu'elle est au fond. Chaud et froid. Donc là, du coup, c'est une petite zone. Ouais, alors... On a des monstres niveau combien? 1200. Ah, donc j'y suis presque, hein. Ouais, c'est bientôt. Je pense que, ouais. On a des mobs, donc on a... Alors boutique... Ah, Waterproof Kitchen, ouais, c'est ça, hein. Ouais. Parler... Veux-tu apprendre le style de combat? Ah, oh, mais... 750 000, ouais. Ouais, mais du coup... Oh, mince. Et je suis combien? En maîtrise 292, en plus. Ah, Dark Step. Ah, c'est oui, ce qu'il disait. Oui. Bah, Matt, c'est celui que j'ai. Oui. Dark Step, du coup, normalement, c'est gratuit. Ouais. Oui. Voilà. Ouais, c'est voilà. ça. Donc là, je peux le réapprendre. C'est ça. Et du coup, là, du c'est coup, celui-là. Ok, donc il n'y a pas besoin de revenir. Ah, trop bien. Bon, ça, c'est cool. Ça, ouais, c'est donc bien. Ça, c'est bien. Et du coup, l'usine, bah, à gauche. Est-ce que je peux pas en taper un pour voir combien il me reste de... Il est où Il n'y avait pas un, là? Si, avant. Il a disparu. Oui, il a disparu. Oh. Ah, si. Oh, bah. Là, oui, il était là, il était. Oh. Contre les attaques physiques. Ah. Ah, mince. Je suis bête, j'ai oublié de mettre Laura. Ah, oui. Ah oui, j'ai oublié. Oh punaise, j'ai oublié tout à l'heure, j'aurais pu faire plus vite en plus. 856 dollars. Tiens, il y a un ennemi, on va le shoot. Mais il va le shoot avant, non? Ah, il va le shoot avant, bah oui, haut. Bah oui. Il est plus haut! Non! Alors, t'as ici en bateau, ça c'est les bateaux. Ouais. Le home point. Et lui à droite? Ça doit être des bots. Ah, c'est ouais. Fondu, ok. On dit ok, combien je donne en gagne en maîtrise? En fait, ils disaient c'est la maîtrise, c'est chiant. Combien je gagne en maîtrise? Ouais, tu finis un peu, mais après 300, j'y suis presque là. Mais ce que je vais faire, on va craquer dans cette vidéo. On va craquer, on attend juste un peu. On va vérifier 2-3 trucs. C'est, mais lui, c'est qui? Bah, Ice Quest, donc c'est le même. Ouais, ok, mais du coup, Ice, et du coup, va voir l'usine. Oh, joli! Normalement, faut parler à quelqu'un. Après, vu que t'es pas 1100, ça se trouve, tu peux pas. Il apparaît j'ai pas. J'ai qu'il y a personne, ouais. Ouais. Guigui est niveau 1100! Ah bah c'est l'île Chaud-Froid. C'est vrai? Bah oui, parce que ça va être les raids. Je ah pense. Oui, bah oui. Ah oui, bah oui, alors, c'est ça. Je vais juste voir un truc parce que, en fait, Kim, elle a vu quelqu'un qui échangeait un flux dragon. Ouais, mais attends, est-ce qu'il échange vraiment? Contre le mammouth. Vas-y, grouille-toi. On nous a dit que ça va dépasser le prix du mammouth. Hein. Ouais, mais t'imagines le fait arnaquer? Non, mais le mammouth il est pas si ouf ah que ça. Ah oui, ouais. C'est lui? Non, oui, ouais, vas-y. Mammouth. Tu vois ce qu'il veut? Il voudra pas. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais c'est pas lui qui parle. Foudre. Il voudra pas. Il voudra pas. Bah non. Mais donne ton dragon, gros. Mais donne ton dragon! Ton dragon! Qu'est-ce que je peux donner contre l'argent? Tu veux trade avec moi? Vas-y, viens. Moi? Viens non, mais. Attends, il va trade avec toi. Venin. Ah, il veut le venin. Ombre. Mais si tu veux, mec, je te montre aussi des fruits, hein. Gros, tiens, tu veux le Bouddha, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il parle? Non, il parle pas.
Il veut trade. Non, mais t'es ouf, gros. Ah, bah, tout le monde a le Bouddha. Ah, bah, tu vois, là, 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 là. Bah, il tout. Ah, ouais. Ah, mais il avait deux. Ah, mais Bouddha V2, t'es encore plus grand. Il avait deux. Bah, oui. En fait, c'est ça, Bouddha V2, t'es encore plus grand. Mais c'est trop bien. Trop stylé. Vas-y, wesh, échangez-moi. Il y a des Bouddha noob et il est Bouddha high level. C'est lui? Ah oui, si, c'est lui. C'est lui. Vas-y, refais. Vas-y, vas-y. Acceptez. Allez, c'est pour une vidéo. Dis-lui, Reyna, c'est pour une vidéo. Non, il va troll. Bah oui. T'as vu, il a tellement peur qu'il fait grave avant. Attends, je lui donne un magma sinon avec. Un Bouddha. Non, alors, il a pas. Il a. Mais non, je veux non, pas mais ça. Non, mais non. On veut ton dragon. Ton dragon. Donc, il veut quand même le Bouddha, ce qu'il l'a pas. Oui. Et du coup, il veut... Ah oui, il veut montrer tout ce qu'il y a. Il veut le Bouddha. C'est lui qui veut le Bouddha. Non, The Cursed One. Non, c'est pas lui qui voulait le Bouddha. Ah, il est revenu. Non, c'est qui, lui. Puis... Ah oui, mais please Robux. Oui, il y a pas la please, lui, là. Mais qui a la cape du... de... Mais c'est quoi, ce nom dégueulasse, là? De Barbe Blanche. C'est quoi ce truc dégueu? Non, mais il est dégueu, mon nounours au final. Parce qu'en fait, la cape, elle se met là. C'est la pire du nounours. C'est trop moche. Ouais. Kim, elle vous a pas dit comment je galère à avoir sa cape, hein. Ouais, j'avoue. Ah bah tiens, bah, y a Broly qui vient de se connecter. Broly? Attends, tu veux que je refasse une discussion? Vas-y. Mammouth contre le Vex. Contre. Qui trade le. Mammouth. Non. Comment on écrit Mammouth en anglais? Mammouth. Mammouth. Ah bah non mais gros. Venin, je l'ai trop vu. Mammouth, j'ai pas assez vu. Oh, oh Mammouth. Non. Non, pas contrôle. Pourquoi ils veulent pas? Non. On a eu deux personnes qui avaient le dragon, là. On aurait pu trade. Je pense que le dragon, tout le monde sait qu'il va être rework. Ouais, je pense, ouais. Non, gros. Non. Ouais. Funaise, ça va être compliqué, les gens. Ça va être compliqué. On va essayer un autre serveur ou pas? Bah, non, mais va voir, sinon, sous le pont. Ah oui, sous le pont. Sous le pont. Alors, il faut... Dans la direction... Non, dans la direction où on regarde le Blox Fruit, là, celui qui trade les Blox Fruit. Là. Il regarde tout droit. Eh ben, du coup, il est sous le pont. Ouais. Un des trucs sous le pont, ça. À côté du café. Ah. Ouais. Ah oui, c'est Sabo. C'est Sabi, Sabo. Et normalement, tu peux l'acheter. Après, si... Est-ce que... Bah non, tout le monde nous a dit de faire ça. Ah, tout le monde nous a dit de faire ça. Donc, on est pensé pour acheter ça. Ouais. Du coup, on va voir tous les styles. Dragon... Oh, nouveau titre. Ah oui, Dragon Ball, la naissance du dragon. La rue du dragon. Le souffle du dragon. Attends, on peut voir. Voilà, qu'est-ce que ça donne? On va se mettre en petit déjà, sur un petit. Oh, ça a l'air d'être fort! Oh, il y a 300 par contre, hein. Explosion dragon, c'est 300. Mais de toute façon, il faut être 300. Oui, oh là là. Non, mais c'est fort, c'est normal parce que c'est. D'accord, j'étais pas la qui. C'est abusé. Bah, du coup, on va chercher du chaud-froid. Non, j'ai encore mieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Les gens, on va gagner du temps. Puisqu'il faut montrer la maîtrise. On va craquer. Vous avez beaucoup dit qu'il fallait prendre le 2x mastery qui est très très important. Voilà. Mais je croyais que tu voulais prendre le 2x argent. Ah bah les deux. On craque. Voilà. Donc là, je l'ai actif et 2x argent parce que j'ai plus de thunes. Ah, il y en a un qui trade Mammouth pour Venom. Mammouth, il va être nul en fait. Il est nul, mon ouais, j'ai l'impression que tout le monde veut... Ok. Voilà, comme ça les gens, on a bien craqué. On a x2 en argent. On a... Du coup, la différence, c'est que là, je vais gagner 2 fois plus de maîtrise. Mais c'est trop bien, souffle du dragon, là. Ça a l'air d'essayer, parce qu'en plus, il y a rue du dragon, ça a l'air d'être fat. Hein. Voilà. Donc, je gagne plus vite. Je vais gagner plus vite, parce que là, regarde, c'est marqué X2. 2 ah X. Oui, ah oui. Comme ça, prochaine vidéo. Et 300 surtout. 1100, 300, Red V2, Bouddha, on a fini le jeu. Du coup, comment ça... voilà, on a fini le jeu. Là, non, du coup, rigole. Attends. Est-ce que c'est x2 sur ça? Non, c'est que sur les monstres. Il y en a qui traitent, tu penses? Non. Ils veulent tous Venom. Ah oui, c'est juste là, les chauffrons, en fait. Mais qui va dire? Et je lui ai dit, vas-y. Ouais, c'est pas très bien. Red Bouddha, please. Bon, on fera plus tard. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui veut Bouddha à chaque fois. Et puis, peut-être qu'on vous demandera... Ah, gagner x2, c'est marqué.
gagner, donc genre pour un mob, je gagne 1200. Ah ouais, je vais gagner ma thune. Je vais franchement les gens comme ça, voilà. Je serais bien, ça permettra... Ah ouais, on voit un petit nounours rose qui galère à monter. Non, t'as vu le blanc, t'as vu le blanc, t'as vu. Non, non. Les gars, celui-là, c'est 1200, il touche shot, je pense. Oui, je sais, je sais. Donc je vais dans le labo. J'ai ce qu'il faut pour acheter aussi l'autre maîtrise. On va garder le dragon pour l'instant. Prochaine vidéo, du coup, je maîtrise les 3. Ouais. Les 4. Les 4. Parce qu'il me manque... Ouais, mais du coup, il faut que tu l'achètes. Ah, mais j'achèterai... Parce que ça va écraser le dragon, il faut avoir un jour tout. Ah oui, tant oui. Pis. Et du coup, là, par exemple, si je monte... Mais non, attends, parce que si, c'est le contraire que tu préfères. Là, celui-là, c'est un truc 1200. Ah. Là. Parce que tu vas pas retourner là. Ici. Ah bah si, il faut que tu farmes ici. Est-ce qu'on essaie de monter juste 100, la maîtrise, pour voir ce que ça fait? Vas-y. La ruée du dragon, là. Et du coup, explosion de dragon. Donc, est-ce que c'est le meilleur, celui-là? C'est pas forcément le meilleur, mais c'est plus stylé, non? Je pense. Bah, après, c'est bah, celui jusqu'à... d'après, quoi. Ceux d'après. Comme ça, on va être bien. Comme ça, on aura un bon bah, truc. Bah, tu seras riche aussi, ça. Oui. Oui. Parce que, bah, surtout, on pourra faire des fruits et tout, parce que là, j'avais même du mal à la limite à faire un fruit. J'étais en mode, ah ouais, mais j'ai plus de thunes, là. De toute façon, prochaine vidéo, Guillaume, il a le dragon, il a le kitsune avant tout le monde, tellement il a de chance. Ouais. Ça se trouve, t'imagines s'il faisait ça, ça serait énorme. J'ai une magma déjà, c'est pas mal. Donc 98, plus qu'un, et c'est good. Allez, spawn. Ah oui, ça va XP de malade en fait. Un truc. Bah oui. Après, au début, c'est facile. Hein. Bon, moi, je t'attends. Alors, new skill, t'es prête? Vas-y. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah après, c'est le premier, c'est normal. Je t'attends dans l'usine. Hein. Il y a une nounours qui m'attend. Je vais me faire attaquer, c'est sûr, c'est un piège. Il y a 4 cadres avec des boutons dessus. Dessous. Il faut appuyer dessus pour faire changer la couleur. Le code couleur est rouge, bleu, vert, bleu. Ok, alors on est vraiment des noobs. On n'a pas réussi à trade notre... Ouais, mais ça, on est resté rare. Ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà, là, c'est l'île que, où Guillaume doit farmer. Donc ça, c'est très cool parce que du coup, c'est au bon endroit. On a bien avancé. On a bien avancé. On a... Je pense que c'est ça. Les trucs que je dois faire. 1100, ouais, c'est ça. Donc je dois farmer sur ces monstres-là. Okay, et là, par exemple, ils sont à mon niveau. Donc bah, je vais gagner 25 000 par truc. Et puis du coup, c'est reparti pour un farm. Hein. Bah de oui, toute bah manière, il faut... moi, je farm pour monter les points du dragon, c'est ça hein. Ah bah tiens, il veut faire, ah. Le... Ah, il veut faire le raid. C'est sûr qu'il est... Ah oui, ah, c'est... Ah non, il doit monter de niveau. Non, je pense pas. Ah non, il... Non, il veut monter de niveau. Ouais, du coup, on va farmer pour essayer de faire le raid V2, peut-être ce week-end. Peut-être... Bon, on verra. De toute façon, on en parlera et puis voilà, on a besoin d'abonnés. On a besoin d'aide, on vous alertera sur nos réseaux ou autre part. Enfin voilà, faut rester au rendez-vous, faut s'abonner à la chaîne. Merci encore à tous les commentaires qui nous aident vraiment parce que du coup, là, on a pu, grâce à vous, acheter le Dragon Breath. Le souffle du dragon. Et le, du coup, le Kung Fu. Oui, qu'on va prendre aussi. Ouais, qui est juste là. Et comme ça, pour prochaine vidéo, on essaie d'avoir le dernier, le truc puissant, là. Ouais, c'est ça. Le on maîtrise human. Tout niveau 300. Exactement. Maîtrise x2 maintenant activé. L'argent x2. Donc comme ça, on est bien. Est-ce que du coup, je me posais juste la question. On va le voir là, juste là, parce qu'il me reste juste 2. Donc là, j'ai bien x2, on le voit affiché sur l'argent des mobs. Ouais. Mais est-ce que j'ai x2 sur aussi du 12 000? Ah oui, 24 000 x2. C'est ça. Donc ça, c'est très, très bien. On va être riche, ça va être cool. Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, salut!